Bonjour tous les chéris, de partout, partout. Alors, il y a du soleil. En arrière-plan, je ne sais pas si vous entendez. Il y a de l'eau, il y a plein d'eau. Derrière moi, il y a un Foxy. Derrière moi, il y a un coquelicot. On a changé d'endroit, on a fait plein de choses aujourd'hui. C'est simplement pour vous tenir un petit peu au courant. On a fait des courses, on a fait le plein de gasoil. On a dû trouver de l'eau d'une façon un peu folklore. Grâce à des gens sympas qui nous ont dit comment. On vous fera une vidéo sûrement demain. Là, ben, on va se poser. Je commence à m'installer. Et là, Krissa est partie, bien sûr, se balader au bord de l'eau. Je te montre tout de suite où elle est. Donc, la Miss Krissa, ben, elle est partie marcher au bord de l'eau, faire un petit peu connaissance avec Domino au bord de l'océan. Moi, je reste un petit peu ici parce que Cassie avait envie de sortir. Elle n'est pas sortie toute la journée. J'espère que tu m'entends bien malgré le vent. On s'est mise en L comme ça, on est super bien. On vous dira où c'est ce spot après. On vous laisse la surprise pour demain. En tout cas, vous voyez, pas grand-chose autour de nous en dehors de la beauté de la nature. Et là-bas, là-bas, c'est Krissa. Et le tout petit, petit point, c'est Domino. Et juste à côté, la seule construction intéressante, ça va être sûrement un bar, un truc comme ça. On va y aller voir dès ce soir. Mais pour l'instant, je te laisse encore contempler la beauté de l'océan. La Cassie qui me rejoint. Ah oui, il y a du vent là. En tout cas, je suis super bien. Là, j'ai la vue sur l'océan. Et Crystal s'est mise de côté aussi parce qu'elle, c'est plutôt par cette fenêtre-là qu'elle a la vue. C'est pas en face, c'est surtout sur le côté. Donc, comme ça, là, elle a la vue aussi devant. En tout cas, on va vous mettre une annotation parce qu'on voulait faire le plein d'eau dans un camping où c'était marqué qu'on pouvait faire le plein d'eau pour 3 euros. Et en fait, on s'est fait envoyer balader, quoi. Si on ne consommait pas, si on ne restait pas dans le camping, il n'y avait pas moyen. Alors que sur Park Fortnite, c'est marqué pour 3 euros. Bah non, ils n'ont rien voulu entendre. Hein. Pourtant, j'ai essayé de me battre gentiment pour leur négocier les 3 euros d'eau. Ils n'ont pas voulu. Donc, je vais dire à Chrissa de le noter. C'est elle qui tient à jour Park Fortnite sur le site de Park Fortnite. Elle va l'écrire parce que vraiment, ils n'ont rien voulu entendre. Ah, aussi, non, au niveau du gasoil, alors bien sûr, je ne sais jamais où s'en est les prix en France. Là, moi, j'ai trouvé à 1,19 €. J'ai même vu à un moment, il y avait même 1,14 €. Je ne sais pas combien elle a trouvé, Chrissa, je crois qu'elle a trouvé à 1,25 €, tout comme ça. Mais c'était dans une station Repsol à 1,19 €, le gasoil, sympa, quoi. Ça fait plaisir. Bah allez, cette fois-ci, j'y vais, je vais aller boire un grand verre d'eau surtout, parce que j'ai une soif terrible. Je vous fais à tous plein, plein, plein de gros bisous. Salut, salut!